n'y a aucune corrélation entre l'écoulement du temps et l'augmentation de l'espérance de vie. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'on a connu une augmentation quasiment sans discontinuité de l'espérance de vie. Cela lié à deux principaux facteurs. Un, les avancées sanitaires et la baisse de la mortalité infantile. Et deux, très important, les conquêtes du monde ouvrier sur le droit au travail et sur le droit au temps libre. C'est à cela que nous devons l'augmentation de l'espérance de vie. Notre pays compte pas moins de 13 prix Nobel. Alors chacune et chacun de médecine, pardon. Chacune et chacun a fait avancer la cause sanitaire à ses moyens. Pourtant, si on regarde bien, celui qui nous a fait faire le plus grand bond de santé n'était pas médecin. Il était ouvrier métallo. Il s'appelait Ambroise Croizat. Et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il a mis en place deux choses, la sécurité sociale pour l'accès aux soins pour tous et la retraite par répartition. Donc, finalement, les plus grandes découvertes médicales du XXe siècle, n'en déplaise aux macronistes, ce sont des conquêtes sociales du mouvement des classes populaires.